Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est une nouveauté qui est à l'honneur sur Quad Live, le SSV UForce 1000 en version XL. Une machine aux dimensions généreuses qui permet d'embarquer jusqu'à 6 passagers. Mais avant ça, je vais vous demander de prendre quelques secondes pour vous abonner à la chaîne Quad Live. C'est un bon moyen pour vous d'être averti de la mise en ligne de chaque nouvel épisode et c'est aussi une manière de nous apporter votre soutien. Maintenant que c'est fait, revenons un petit peu sur ce beau bébé qui est le UForce 1000 version XL. Jusqu'à présent, la gamme de SSV utilitaire de CF Moto était composée de deux modèles. Le UForce 600 que j'ai déjà présenté dans un précédent épisode et le UForce 1000. C'est donc un troisième modèle qui va compléter la gamme, en réponse à la demande des professionnels à la recherche d'un SSV capable d'embarquer 6 passagers tout en transportant du matériel. Esthétiquement, cette version XL reprend les codes de la version courte. On retrouve cette face avant très travaillée avec l'intégration par exemple de la technologie LED au niveau des phares. Forcément, c'est sur les côtés que la différence se fait avec un allongement conséquent destiné à l'intégration d'une deuxième rangée de sièges. Ce sont finalement 82 cm qui sont gagnés pour culminer à 3,77 m de longueur. En revanche, avec 1,61 m de large et 1,85 m de haut, cette version XL reprend les mêmes dimensions que la version courte 3 places. Cet allongement de 82 cm a donc permis l'intégration d'une banquette arrière 3 places. Celle-ci vient en complément de la banquette avant, également homologuée pour 3 personnes, ce qui porte à 6 le nombre total de passagers pouvant prendre place à bord de ce UForce 1000 version XL. L'accès aux places arrière est plutôt facile et chaque passager dispose d'un bel espace. On apprécie également la présence de quelques éléments de confort comme les portes gobelets ou encore la présence de deux prises USB et d'une prise type allume-cigare. Cet allongement et tout l'équipement qui va avec a fort logiquement une incidence sur le poids à vide. Et l'embonpoint de cette version XL est de 130 kg, ce qui porte le poids à vide total à 820 kg. Mais tout cela se fait sans gréver les capacités utilitaires puisque la benne basculante qui garde les mêmes dimensions que la version courte 3 places est à même de supporter jusqu'à 350 kg de marchandises. Sur le même registre utilitaire, cette version XL est aussi capable de tracter jusqu'à 800 kg. Sur le plan technique, ce UForce 1000 XL reprend à son compte le moteur bicylindre de 963 cm3 qui développe 71 chevaux. Il est associé à deux modes de gestion, éco et sport, sélectionnable depuis un commutateur placé sur la planche de bord. Ce moteur est associé à une transmission par variateur de chez CVTech qui propose les gammes longues et les gammes courtes en plus d'une marche arrière et d'une position frein de parking. Fort logiquement, le UForce 1000 XL reprend une transmission 4-2-4-4 avec la possibilité de neutraliser l'action du différentiel avant. Enfin, au vu du gabarit imposant de ce SSV, l'assistance de direction est bien entendu un équipement proposé de série. La liaison au sol est assurée par des roues de 14 pouces alors que l'amortissement est confié à 4 roues indépendantes. Roues qui sont reliées au châssis par des triangles superposés avec pour l'avant des triangles inférieurs incurvés qui permettent d'optimiser la garde au sol qui atteint ici 31 cm. Sur le plan de l'équipement, ce UForce 1000 version XL est plutôt bien loti, avec deux séries, la présence de jantes alliage, d'un treuil ou encore d'un toit rigide. Un équipement qui pourra facilement être complété par une large gamme d'accessoires qui sera disponible très rapidement après la sortie en concession. Avec son gabarit imposant et son empattement allongé, le UForce 1000 XL ne passe pas inaperçu. Cependant, il demeure maniable, bien aidé par une assistance de direction bien calibrée. C'est clairement en mode utilitaire qu'il exprime tout son potentiel, avec cette capacité à emmener 6 personnes dans les zones les plus accidentées, tout en transportant plusieurs centaines de kilos de matériel. Il profite à plein pour cela de son excellent moteur bicylindre, qui doit certes composer avec le poids, mais qui offre un couple généreux à bas régime. La bonne garde au sol et les larges débattements de suspension participent également à optimiser ses capacités, tout comme la transmission intégrale et la possibilité de bloquer l'action du différentiel avant. Le CF Moto UForce 1000 XL est une véritable bête de somme qui saura répondre à de multiples utilisations sans rechigner à vous emmener dans une petite balade en famille si le cœur vous en dit. Ce UForce 1000 XL a été pensé et conçu pour les travailleurs à la recherche d'un engin tout-terrain capable d'emmener 6 passagers, du matériel, le tout dans des zones accidentées. Objectif pleinement atteint avec ce modèle qui sera disponible dans les concessions début septembre au tarif de 20 890 euros. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter de profiter au mieux de vos quads et de vos SSV. Prenez du plaisir, soyez prudents et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt !